gueule. Oui, allô? Ouais, salut monsieur Verdo. Alors déjà, je viens de me réveiller, donc me fais pas chier si je passe dans la vidéo, m'appelle Kevin, parce que je m'appelle Raphaël. On se calme, Kevin, et là? Et du coup, bah, j'avais une question. C'est quoi ton parcours scolaire, universitaire et professionnel? Parce que du coup, tu dois pas être accepté partout, vu que t'as plein de tatouages, de piercings, tout ça. Voilà, bon, allez, bisous sur le cul, je t'aime fort. J'aime beaucoup tes vidéos. Alors Kevin, je te dis un truc tout de suite, le parcours, oui, le parcours, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que le parcours, ça fatigue, t'es de sauter de mur en mur, etc, etc. Et en plus, je sais pas le faire, donc non, le parcours, non, c'est pas pour moi. T'es super chelou, hein. Allison, c'est toi qui dis ça? Ouais, donc salut, gros, je suis en shot, je suis en train de me faire chier, là. Cool. Donc, du coup, bah, je te laisse un petit message, tu vois. Parce que je suis en train de regarder tes vidéos, parce que c'est de la merde, je suis en train de chier, ça correspond bien, quoi. Bon, j'ai vu que t'habites dans le 5-4, bon, en fait, je m'en fous un peu, mais voilà. Enfin, je crois que t'habites là-haut, même si je m'en fous. Et sinon, je kiffe ta vidéo, ton style, il est pas mal aussi. Merci. Puis bah... Bon, en fait, c'est chiant ce que tu racontes, t'as absolument ouais, rien à dire. Chose à dire quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Sinon, Voilà. Ah, voilà, quoi. Allez, hein. Bisous. Putain, mais arrêtez d'appeler quand vous avez rien à dire! Est-ce que tu appelles ton banquier? Est-ce que tu appelles ta mère? Est-ce que tu appelles ton voisin quand t'as rien à dire? Non! Alors pourquoi t'appelles monsieur Werdo? Oh. Allô? C'est le chauffeur! Il va te manger! Coucou! C'est pas gagné. Au revoir. Je vais te découper en plein de petits morceaux. Voilà mon quotidien. Il y a les débiles qui m'appellent. Ça fatigue. C'est une voix la plus fille du cul. La pilule bleue. Pense à prendre la pilule bleue. La pilule bleue, c'est la meilleure. Pas celle qui fait bander, mais l'autre. Tu sais, celle qui te rend normal. Ouais, la pilule bleue. Bonjour, monsieur Werdo. Est-ce que tu pourras me rappeler, s'il te plaît? Merci. On t'aime très fort. Bon, non, je ne rappelle pas, bordel de putain de bordel de merde. Alors, rappeler pour dire quoi? Rien, pour être comme tous les Dylan qui me demandent « Ouais, appelle-moi, ça va être trop génial !» Si t'as un truc à dire, pourquoi tu le dis pas sur le répondeur? Le répondeur, bordel! Dites quelque chose d'intéressant, pour une fois! J'en peux plus, ouais. Oui, alors ce serait juste pour demander. Vu qu'apparemment les défis débiles sont une spécialité de la chaîne, et de la maison, tu vois la poudre de piment? Est-ce que tu penses que tu pourrais, je sais pas, faire un truc sympa avec, genre piéger des gens, ou la sniffer? Voilà. Pas trop d'inspi ce coup-ci. Sinon, une question existentielle. À la Sicilière, on a vu qu'il y avait des chaînes et que les gens se les mettaient dans le cul. Et on s'est posé une question. Si les enfants sont trop loin, genre vraiment trop loin, est-ce que ça devient une chaîne alimentaire? Voilà. Des bisous. Alors, ta dernière remarque était très drôle et me plaît beaucoup. Ça peut devenir une chaîne alimentaire si tu la pousses assez loin pour qu'elle ressorte par la bouche. Par contre, pour ton défi, alors non, à la base, non, je ne prends pas de défi. Arrêtez avec vos défis. Surtout que la plupart des défis, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même des défis de merde. Alors, si t'as envie de savoir ce que fait la poudre de piment quand tu la sniffes, eh ben essaye. Et ça, si tu essayes, c'est avec grand plaisir que je voudrais voir la vidéo. Mais je te laisse ça parce que c'était quand même vraiment... une idée de merde. Ouais, c'est de la merde. Ouais, d'accord. Salut Erdo, c'est moi, Adrien, sur de venir. Donc je t'appelle comme ça parce que j'adore tes vidéos. Je me suis aussi abonné à la chaîne où Erdo te parle. J'ai regardé toutes les vidéos de répondeur avec Marie-Thérèse. Donc franchement, continue comme ça et si je suis aussi dans une de tes vidéos, ça serait vraiment plaisir. Donc, merci d'avoir ce message, merci. Et continue tes vidéos. Ciao. Marie-Thérèse, ouais, Marie-Thérèse, celle qui rit quand on l'a... Quand elle prend l'apéro.
Ouais mec, c'était pour te dire que ton concept était vraiment bien. Enfin, c'est super sympa de faire ça. Et c'était pour savoir surtout parce que j'ai un pote, mon meilleur ami, qui est fan de violon. Et c'était pour savoir si tous tes violons étaient vrais ou faux parce que je trouve une déco, enfin violon, guitare, tout ça, c'est super sympa quoi. Et donc voilà, donc c'était pour savoir, pour avoir quelques réponses, quelques petits trucs. Moi là, c'est cool après ce que tu fais, c'est super sympa mec, merci. Alors oui, mes violons sont vrais, c'est des vrais violons qui sont au plafond. Pourquoi ? J'en ai aucune idée, mais j'ai 9 violons qui sont au plafond. Et comment j'ai mis les violons ? Alors c'est là que j'ai fait le barbare, c'est dommage j'ai pas filmé parce que ça t'aurait plu. J'ai pris les violons qui eux en plus étaient 9, je les ai pris, je les ai retournés. Enfin bon, non rien, j'allais dire un truc sale. Donc je les ai retournés, j'ai pris une perceuse, comme un gros porc, j'ai fait un trou dans le violon. Alors ça c'est mon truc, c'est vrai, je... Et ensuite, avec une vis, je les ai mis au plafond. Et regarde, attends. Sur la chaise. Voilà, c'est un vrai violon. Enfin, c'est tous des vrais violons. Bon, eh ben... c'est fini pour aujourd'hui. Eh ben, à bientôt. Hey, je reviens. Je repars. Je reviens. Et je repars. Et je reviens. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Wardo. Parce que... Je sais pas pourquoi en fait. Monsieur, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon. Caca.